Ismondi Barlev, Bidjoka. Opération Épervier est le nom donné par les médias à une vaste opération judiciaire dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun. Cette opération a été lancée sous la pression des bailleurs de fonds internationaux. D'anciens ministres et des dirigeants d'entreprises publiques et parapubliques ont été arrêtés et condamnés dans le cadre de cette opération. Cette opération a été mise sur pied en 2006, au lendemain de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, en tant que pays pauvre très endetté, avec la remise de la dette du pays par les bailleurs de fonds. Mais ces fonds supplémentaires arrivent dans un contexte où le Cameroun est deux fois champion du monde de la corruption. Si le ménage n'est pas fait, ils ne serviront à rien. Paul Biya restera dans l'histoire comme le président du monde et qui a décroché deux fois de suite ce trophée peu envié de président le plus corrompu, de président dont le pays est le plus corrompu du monde. Pas de quoi être fier. La corruption est partout et s'habille de tous les noms au Cameroun. Gombo, Choco, Bière, Motivation, Taxi. Les ministres transportent de grosses sommes d'argent dans les sacs. Bref, le pays coule. L'économie va en lambeaux. Au sommet de l'État, personne ne sait par où commencer. La corruption semble consubstantielle au système. Avec un SMIC de 28 000 francs CFA, soit environ 50 euros, plus de la moitié de la population vit avec moins d'un euro par jour. Ah. Et nous les femmes, on n'arrive pas à manger à la maison. Il doit baisser le riz et la viande. Et tout, quoi de riz, c'est le poids de riz à 75 francs. Et j'ai 10 enfants là où je suis là. Je n'arrive pas à nourrir cet enfant. Parce que pourquoi? Les choses sont déjà devenues chères au marché. Un kilo de viande est déjà à 2200. Et ce sont les faux kilos. Il faut qu'on doit aussi au moins nourrir les enfants qu'on a à la maison. C'est grave. C'est grave. C'est dans ce pays-là que des ministres et des fonctionnaires roulent carrosses, construisent des immeubles, violent les lois et narguent le peuple. Quand il arrive au pouvoir en 1982, le président de la République, Paul Biya, trouve le Cameroun dans cet état-ci. Écoutons le président Paul Biya à la clôture du deuxième congrès extraordinaire de l'UNC le 14 septembre 1983. Je le dis sans embâge, le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se portait donc bien. Que s'est-il donc passé entre 1982 et 2013 pour qu'on se retrouve aux obsèques de la République? L'emploi du temps d'un lion est déterminé par son appétit. Lorsqu'il est rassasié, le prédateur et ses proies vivent paisiblement et côte à côte, écrivait Chuck Jones. Applaudi par les populations au départ, cette opération épervier semble avoir perdu un peu de son crédit par la mise à jour des règlements de comptes personnels et autres luttes de pouvoir. Afin de comprendre et expliquer l'opération épervier aux Camerounais, nous avons enquêté sur les démarches qui ont conduit des centaines de Camerounais derrière les barreaux pour détournement de fonds. Le comment et le pourquoi, toute une république, tout un gouvernement a plongé la main dans le sang de son propre peuple. George Orwell a dit, dans ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de l'opération Épervier au Cameroun. Une opération de lutte contre la corruption dans un environnement de fin de règne et de lutte de succession. Sismondi Barlev, Bidjoka. Les querelles de personnes mettent en péril la République. La désinformation intoxique l'opinion publique. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. C'est la course au pouvoir, c'est la course au pouvoir. Sismondi Barlev, Bidjoka. 1986, 4 ans après l'arrivée du président Paul Biya à la magistrature suprême, le journaliste Eric Djindjé, à l'époque en service à la CRTV, la télévision nationale, a l'opportunité de faire l'une des rares interviews accordées par Paul Biya à la presse nationale. Le journaliste est face au président et attire son attention sur la corruption et les détournements des deniers publics qui prennent des proportions alarmantes. Question du journaliste. Monsieur le Président de la République, êtes-vous au courant que vos proches collaborateurs pillent les fonds publics, détournent l'argent du contribuable? Réponse du Président. Avez-vous les preuves, Monsieur Eric Djindjé? Le Président n'y croit pas. Il veut des preuves.
À cet effet et à sa décharge, on peut valablement penser en misant sur sa bonne foi qu'il n'est pas au courant. Un homme d'État ayant besoin de bons renseignements, de preuves pour prendre des décisions engageant toute une nation. Paul Biya réaffirme même son autorité en disant aux journalistes « Il suffit que je décide que M. Eric Tshindje n'est plus et vous n'êtes plus rien ». Fin de citation. Par ces paroles, Paul Biya laisse entendre qu'il est le seul à décider, le seul maître du jeu. D'accord, c'est vous le chef. C'est une date charnière qu'il faut comprendre, car le pays est sous ajustement structurel et la crise économique internationale n'arrange pas les choses. Entre 1986 et 1990, on est passé par l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara, qui a rebaptisé son pays ainsi Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. Ce vent survole le Cameroun mais ne l'affecte aucunement. Tuk Palahniuk, l'écrivain, a écrit un jour, on finit tous par mourir. Notre but n'est pas d'être immortel, notre but est de créer quelque chose qui nous survive. Fin de citation. Paul Biya a-t-il déjà pensé à cela, à quelque chose qui lui survive? Nous n'en savons rien. Le Cameroun de 2013 n'est pas très différent du Cameroun de 1982, date à laquelle il arrivait au pouvoir. 1990. En 1990, le Cameroun est au-devant de la scène internationale grâce à la Coupe du Monde où les Lions Indomptables et l'équipe nationale du pays font bonne impression et des étudiants américains qui ignoraient même jusqu'à l'existence de ce pays peuvent déjà le situer sur une carte. Le Cameroun a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'un pays africain franchit ce cap. L'image est bonne. La Coupe du Monde de 1994, c'est-à-dire la suivante, sera un autre épisode du phénomène de la corruption au Cameroun. Galvanisé par le bon souvenir de 1990, les Camerounais lancent une opération coup de cœur pour les Lions Indomptables. Près de 3 milliards de francs CFA sont collectés et doivent être acheminés à Atlanta aux États-Unis pour motiver l'équipe nationale. L'homme qui est chargé de convoyer ces fonds, c'est le ministre des Relations extérieures à l'époque, Augustin Kontchou Kouamédi. L'argent n'arrivera jamais à destination et la tournure hilarante de l'affaire avec l'explication de la mallette perdue en plein vol noya cet épisode pourtant symptomatique d'un environnement de détournement de fonds et de corruption aggravé au Cameroun. L'écrivain Albert Pine a dit un jour, ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous, ce que nous faisons pour les autres et le monde est immortel et demeure. Fin de citation. Les assassins économiques du Cameroun ont-ils un jour médité sur cette réflexion? Nous n'en savons rien. Le Cameroun est un pays pauvre où l'énergie est rare, la fourniture d'eau potable insuffisante, l'éducation coûte cher et la santé est un luxe. Dans les hôpitaux, c'est l'argent ou la mort. Dans nos hôpitaux publics d'ailleurs, il y a des cellules de prison pour garder des patients soignés qui n'ont pas pu payer des frais de soins. C'est dans ce pays-là que des fonctionnaires roulent carrosse, narguent le peuple et créent des frustrations avec de l'argent volé dans les caisses de l'État. Le contexte est plutôt explosif. Mais nous y reviendrons. À la radio, à la télévision, le débat sur la lutte contre la corruption suscite plutôt la controverse, nourrit la polémique, alimente les colonnes des journaux.
mais demeure inefficace. Mathias Eriko Nangini, juriste politologue. Les choses n'ont pas réellement changé. Il y a quelques petites évolutions, mais elles ne sont pas fondamentales. Pour avoir une lutte contre la corruption beaucoup plus solide, il est important d'avoir effectivement une action répressive, mais il est aussi important d'avoir une action de prévention. Et là, le gouvernement doit nécessairement appliquer l'article 66 de la Constitution, parce que cet article donne des fondements constitutionnels à la promotion de la transparence. Alors, l'opération Épervier est largement ce que vous appelleriez un fait semblant et que moi j'appelle une démarche sélective et calculée de répression des infractions en matière de corruption et des infractions assimilées. En 2006, le Cameroun franchit le cap du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvre très endetté, un slogan qui était devenu quasiment le seul programme économique du Cameroun. Nous sommes alors en avril 2006. Paul Biya parle. Comme vous le savez, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international viennent de décider l'admission du Cameroun au point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est un événement très important pour notre pays qu'il convient de saluer à sa juste valeur. En substance, le Cameroun pourra bénéficier désormais de mesures significatives d'allègement et d'annulation de sa dette extérieure. Certaines de ces mesures auront un effet immédiat. De façon générale, le service de la dette qui pénalisait notre développement sera considérablement allégé. Les arrestations vont commencer et se multiplier. Quelque temps auparavant, avant l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, Paul Biya multiplie des discours dans lesquels il fait montre de sa volonté de combattre la corruption et les détournements de fonds. J'ai saisi cette occasion pour dire que j'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'il monte dans le camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. C'est mon dernier message, j'espère qu'il sera entendu, j'espère que tous les Camerounais vont y contribuer. Si nous le faisons bien, alors on va vers le point d'achèvement qui n'est pas un paradis, mais une étape où notre dette sera allégée et où nous commencerons à voir le bout du tunnel. Et plus tard, les choses vont ensuite s'enchaîner dans un désordre et un calendrier pour le moins étonnant. Paul Biya va multiplier les arrestations en fonction de ses opportunités. Puis on a eu le sentiment à un moment qu'il y avait des roulants politiques derrière. Souvenez-vous quand même du cas Marafa, que le droit, sur la base des éléments fondamentaux d'une infraction, c'est-à-dire l'élément matériel, l'élément intentionnel et peut-être l'élément judiciaire, mais davantage ces deux premiers éléments, on n'a jamais pu établir la culpabilité matérielle de M. Marafa. On en est arrivé à dire, vous ne pouviez pas ne pas être au courant, vous ne pouviez pas ne pas savoir. Ce qui est une jurisprudence très grave, parce que même le président de la République un jour pourrait être condamné au prétexte qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ses collaborateurs détournaient l'argent public. Donc ça pose, ça c'est pas quelques insuffisances, mais des insuffisances certaines dans cette opération. Il y a maintenant, quand je parlais de défaite de la justice, c'est qu'en réalité, qu'attendait-on de cette affaire? S'il faut arrêter des gens qui ont détourné les fonds publics, ben écoutez, on ne peut pas arrêter les uns et laisser les autres. Vous ne pouvez pas avoir deux individus qui ont commis des forfaits de même nature. Vous condamnez l'un, vous laissez l'autre. L'opération de lutte contre la corruption va prendre des coups. Certains hommes politiques parlent même de devoir d'injustice. C'est le cas de Charlie Gabriel Mbok. L'ingérence de l'exécutif, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est exécutif qu'on peut s'arroger le droit d'exécuter même des innocents. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas longtemps, le magistrat Schlick, je l'ai lu dans les journaux,
a reçu une demande de, je ne sais pas comment on a formulé cela, et j'ai lu dans les journaux, de la présidence de la République, parce qu'il a élargi un justiciable du nom de M. Atangana Mebara. C'est documenté. Voyez-vous, comme c'est documenté, chacun peut aller voir. Pourquoi c'est la présidence de la République qui demande à un magistrat d'expliquer un verdict qu'il prononce en son âme et conscience comme magistrat de la République? Sur les antennes de RFI, Radio France Internationale, la flèche est mortelle. Dans l'émission Appel sur l'actualité, le présentateur Juan Gomez comprend le drame. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Exprimez-vous sur la lutte contre la corruption au Cameroun, en toile de fond l'opération Épervier. Bienvenue si vous nous rejoignez. Cela fait maintenant 6 ans que le Cameroun lutte contre la corruption. Cette opération a permis l'arrestation et la condamnation de plusieurs personnalités, des directeurs généraux d'entreprises, mais aussi des ministres, tous accusés d'avoir détourné des fonds publics. Certains d'entre eux ont d'ailleurs écopé de lourdes peines de prison. En tout cas, cette semaine, la liste des personnes arrêtées s'est allongée. De nouvelles personnalités ont été écrouées, deux figures politiques importantes, Inoni Ephraim, Premier ministre de 2004 à 2009, et Marafa Amidou Yaya, ministre de l'administration du territoire jusqu'au remaniement de décembre dernier, mais aussi ancien secrétaire général de la présidence. En tout cas, depuis le lancement de cette opération Épervier, une dizaine d'anciens ministres ont été écroués. Alors quel bilan dressez-vous justement de la lutte contre la corruption, une lutte exigée par les bailleurs de fonds pour permettre au Cameroun de bénéficier d'allègements, voire même d'annulation de dettes? Que vous inspirent les arrestations des différents ministres? Faut-il y voir des motivations politiques, comme l'affirment les détracteurs du chef de l'État? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. C'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions. Nous allons donc tout de suite au standard. Nous accueillons Martial. Bonjour Martial. Bonjour Juan. Alors vous êtes à Yaoundé, vous êtes sur place. Alors vous êtes très clair, vous dites que ces arrestations sont purement politiques. Juan Gomez produira jusqu'à 2 émissions, voire plus, sur le sujet à quelques mois d'intervalle. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. À suivre comme promis, notre débat sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Un débat que nous aurions dû réaliser en public à Yaoundé, mais en raison des problèmes liés à l'obtention de nos visas, eh bien nous sommes donc contraints de faire cette émission depuis notre studio à Paris. En tout cas, durant les 20 prochaines minutes, vous allez pouvoir dresser un bilan de l'opération Épervier. En 6 ans, elle a tout de même permis l'arrestation de plusieurs personnalités, des directeurs généraux d'entreprises publiques, mais aussi des ministres, tous sont accusés d'avoir détourné des fonds publics et certains d'entre eux ont d'ailleurs écopé de lourdes peines de prison. Mais l'arrestation, il y a maintenant 2 mois, de l'ancien Premier ministre, Ephraim Inoni, et de l'ancien ministre de l'administration du territoire, Marafa Amidou Yaya, a relancé la polémique sur les réelles motivations de ces interpellations. Car si la lutte contre la corruption est finalement une réponse aux pressions des bailleurs de fonds, notamment au FMI, Banque mondiale, eh bien les détracteurs du chef de l'État dénonce une purge contre ceux qui auraient des ambitions présidentielles. Alors que vous inspirent ces arrestations? Faut-il y voir des motivations politiques? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. RFI vous donne la parole. Nous allons prendre évidemment quelques réactions de Yaoundé, puisque vous avez été nombreux à vous inscrire justement pour participer à nos émissions en public qui devaient donc se dérouler cette semaine. Martial, bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue Martial. Votre bilan de l'opération Épervier est négatif. Vous parlez même de chasse aux sorcières. Ah oui, tout à fait. Alors on vous écoute. Pourquoi? Alors Juan, je dresse un bilan purement négatif de la lutte de l'opération Épervier. Tout simplement pourquoi? Parce que en six ans de lutte contre la corruption et de détournement des deniers publics, on n'a pas pu retourner le moindre franc dans nos caisses. Donc ça c'est le premier fait.
C'est-à-dire que c'est bien beau, d'arrêter des gens, c'est bien beau de les condamner, mais encore faut-il qu'ils redonnent à l'État l'argent détourné. Tout à fait. Et en second, vous voyez, l'article 66 de notre Constitution dit que ces grands du gouvernement doivent déclarer leurs biens. Le président, les ministres, les directeurs de, généraux de sociétés, ils doivent déclarer leurs biens. Ouais. Donc je crois que c'est un préalable à la lutte contre la corruption. Il faut qu'on sache ce qu'ils ont quand ils entrent au gouvernement et qu'on sache ce qu'ils ont quand ils sortent du gouvernement. Mmh. Sur place au Cameroun, le corps diplomatique prend position. Robert P. Jackson, ambassadeur des États-Unis, quelques années plus tard, sur le plateau d'une télévision locale. Alors, vous comprendrez que je vous pose la question. Il y a en ce moment une grosse actualité en rapport avec l'opération FRG, l'interpellation de l'ancien premier ministre Noni Ephraim et l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Amidou Yaya, souvent présenté par une certaine opinion, par une certaine presse, comme le choix des Américains pour la succession au président Yaya. Est-ce que cette rumeur-là, est-ce que ça circule à l'ambassade? Est-ce que les Américains avaient Marafa Amidou Yaya dans leur petit papier? Écoutez, je sais que Wikileaks a révélé qu'on estime que certaines personnalités sont des personnalités qui ont les capacités pour se présenter à la présidence de la République. Mais ce n'est pas aux États-Unis, mais aux autres pays de choisir les présidents futurs du Cameroun. C'est aux Camerounais de le faire. Nous n'avons pas de candidat. Mais c'était une opinion partagée par l'Américain. Enfin, par l'ambassade. Je crois qu'il y a plusieurs personnalités qu'on estime sont capables de se présenter comme des candidats fiables à la présidence. Le journal. Le rôle du chef d'État qui consiste à contrôler le fonctionnement de l'État de manière générale devrait l'inciter à veiller sur la fortune publique à tout moment, pas simplement de façon permanente. Et donc la corruption est vieille comme le monde et la lutte doit aussi être permanente. Je ne pense pas qu'il faille indiquer une date à laquelle l'opération, une quelconque opération de salubrité publique et tout devrait commencer. Qu'est-ce qui a marché finalement, à votre avis, dans cette opération? Qu'est-ce qui a marché? Il y a eu un signal fort lorsque, après de longues années d'impunité totale pour les gestionnaires publics et de longues années d'impunité totale, certains se sont retrouvés pris dans les taux de la justice pour répondre de certaines malversations financières ou des actes supposés comme tels. Et tout. Il y a eu donc un grand signal de la part des gestionnaires publics ou bien des gardiens de la fortune publique de manière générale et tout. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, Christophe? Mais simplement je disais que ce signal a été brouillé par le fait que il y a de nombreux autres gestionnaires qui sont convaincus de malversations financières sur la fortune publique mais qui restent impunis. Et puis la presse a fait dire que ceux qui étaient sanctionnés sont des membres d'un groupe dénommé G11, donc qui ambitionnait de remplacer le président, de prendre la présidence de la République en 2011. Et c'est pour ça qu'ils ont été. Donc, il y a donc, comme des relents politiques dans le cadre de l'opération présidentielle. Ça bouge un peu des choses, de sorte qu'il y a des gestionnaires publics qui continuent à se comporter comme si l'argent public était leur argent personnel. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette opération? Ce qui n'a pas beaucoup marché, c'est que le pouvoir judiciaire n'a pas encore créé les conditions de son indépendance. Le pouvoir exécutif continue à mener tout, de sorte que les magistrats ne sont pas totalement libres. Certains d'entre eux ont rendu de bonnes décisions, mais la plupart des procès qu'on a vus, on a vu que les procès étaient conduits, j'allais dire, sous l'emprise un peu de la peur, des instructions. Dans pas mal des histoires qui sont passées devant la justice, les observateurs attendent toujours de voir la manifestation de la vérité. Or, on a eu des sentences.
C'est l'ENAM, l'école nationale de l'administration et de la magistrature, qui forme ces cadres voleurs de la République. C'est pourquoi un jour, Christophe Boisbouvier décide de poser des questions au directeur de la structure. Benoît Ndong-Soumet, bonjour. Bonjour. Alors vous formez les meilleurs cadres de l'Afrique centrale, mais est-ce que ce ne sont pas aussi les plus corrompus ? Je ne sais pas à partir de quoi, à partir de quel indicateur on peut trouver qu'ils sont les plus corrompus. Vous voulez que moi je vous donne un petit indicateur de référence ? Oui, allez-y. Bien. Si c'est ceux qui sont présumés coupables ou alors ceux qui sont déjà condamnés dans le cadre de l'opération Épervier, ils sont une dizaine. Alors, une dizaine sur 160 000 fonctionnaires, c'est moins de 1%. Oui, mais vous ne formez pas 160 000 fonctionnaires, vous formez l'élite de ces fonctionnaires et c'est justement cette élite qui se retrouve aujourd'hui en prison. Écoutez, on a fait le point, nous sommes à plus de 6 000 fonctionnaires du cadre à former et là, une dizaine par rapport à 6 000, ça reste quelque chose de très 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 négligeable. Mais comment se fait-il par exemple qu'un inspecteur des impôts ou des douanes qui gagne 200 000 CFA par mois arrive à s'offrir un véhicule à 36 millions de CFA ? Entre 1995 et 2000, la question de la corruption au Cameroun prend une autre dimension. La presse hurle, la société civile sonne le tocsin, des acteurs internationaux s'interrogent, le monde nous regarde ahuri. Pourtant, à la tête de l'État, personne ne bouge. On renvoie tout le monde à la même réponse, à savoir, il y a des comités de lutte contre la corruption dans les départements ministériels. Cette année-là, le Cameroun décroche le titre peu honorifique de pays le plus corrompu du monde, selon l'indice de perception de l'ONG allemande Transparency International. Il le conservera 2 années de suite, le Cameroun, pays le plus corrompu du monde. Il s'agit d'un indice de perception recueilli auprès des populations concernées. Gombo, bière, taxi, carburant, choco, motivation. Notre pays adulé 10 ans plus tôt par le monde entier grâce à une Coupe du Monde de football irradiante est désormais la risée de tous. Le Cameroun a honte. Notre pays a honte. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de leur sort. Le choc est frontal, le réveil est brutal et la réaction difficile. Que faire? Où commencer? Par qui? Ou par quoi? Le système de Yaoundé est grippé. À tous les niveaux de l'État, les fonctionnaires sont corruptibles. La situation est quasiment verrouillée. Vient donc le déclencheur de l'opération Épervier. Il porte un nom, Niels Marquardt, ambassadeur des États-Unis à Yaoundé. Il ne ménage pas les autorités camerounaises. Malgré les pressions internationales et de nombreux plans ou lois de lutte contre la corruption, la pratique reste une constance de la vie et de tous les jours au Cameroun. Puisqu'en 2004, plus de 50% des ménages camerounais ont reconnu avoir versé au moins un pot de vin quelque part. L'ambassadeur des États-Unis, Niels Marquardt, dans une déclaration du 20 janvier 2006, rapportée par le journal Mutation, dénonce publiquement la corruption sévissant au Cameroun. Il dit, je cite, « Les actes de corruption sont devenus si communs et si banals que certains observateurs se demandent si le sens du mot corruption a une connotation différente au Cameroun. » Fin de citation. D'après le journal Mutation début 2006, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Niels Marquardt, a transmis au président Paul Biya une liste de 58 très hautes personnalités de l'État dont les fortunes ne peuvent être expliquées par leurs revenus officiels. Cette liste a été partiellement publiée par la presse. 4 arrestations suivront avec en tête Emmanuel Gérard Ondondon, directeur général du FECOM, avec ensuite la remise en liberté de certains, notamment l'ancien directeur général de la CRTV, Gervais Mendozé, qui sera remis en liberté quelques jours plus tard sans qu'on comprenne pourquoi. C'est le départ de l'opération Épervier. La foule qui réclamait du sang jubile. La cote de popularité de Paul Biya remonte en flèche dans l'opinion. À la manœuvre, Amadou Ali, ministre de la Justice, Maurice Kamto, ministre délégué chargé de la Justice, Etame Massouma, ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, et enfin au tribunal, le tout-puissant et redoutable juge d'instruction, dont le seul nom vous donne la chair de poule, Pascal
Manyanga Mabeu. Cabral Libi est un jeune leader d'opinion camerounais. Il est aussi juriste et observateur de la scène politique nationale. Mais écoutez, ce qui a marché dans l'opération Épervier, comme j'ai mal dit, c'est qu'on a, je vais le synthétiser en une phrase, hein. Il y a eu quelques victoires judiciaires, mais hélas, une plate défaite de la justice. Je vais m'expliquer. Parce que je commence par les victoires judiciaires. Il y a eu quelques affaires instruites. Il y a eu des personnes condamnées, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que dans une campagne de lutte contre la corruption, il est bien que les auteurs de prédation de la fortune publique soient effectivement à reprendre leurs actes et qu'ils soient condamnés. Au début, cela faisait recette parce que sortant d'une longue période d'impunité, les Camerounais ont trouvé une certaine satisfaction à voir certaines personnes épinglé par la justice. Mais malheureusement, cette euphorie des débuts s'est très vite émoussée. D'abord parce que les Camerounais n'y trouvaient plus réellement leur intérêt. C'est-à-dire qu'une chose était d'épingler les gens, mais une autre était de récupérer le patrimoine qu'ils avaient soustrait à l'État. Et que cela ait un impact sur la vie des Camerounais. Pour que cela ait donc un impact direct sur le vécu quotidien des populations, ça n'a pas été le cas. Il fallait commencer cette lutte contre la corruption. Paul Biya l'a fait avec les pressions extérieures, avec des erreurs, des méthodes discutables, mais il l'a fait. La même année, 2006, en juillet, se tient le troisième congrès extraordinaire du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Biya au pouvoir. Paul Biya saisit alors la balle au bond pour faire une déclaration forte. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. Les délinquants à col blanc n'ont qu'à bien se tenir, fin de citation, déclare-t-il. Nous avons encore, je dois le dire, un grave problème de morale publique. Malgré nos efforts pour les combattre, la fraude, les détournements de deniers publics, la corruption continue de miner les fondations de notre société. J'ai eu souvent à m'exprimer sur le sujet et à dire ma détermination à éradiquer ces comportements asociaux. Des sanctions sévères ont été prises au cours des derniers mois. Nous n'allons pas nous arrêter en chemin. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. Nous disposons maintenant d'un appareil institutionnel apte à traquer la corruption sous toutes ses formes. La Chambre des comptes, déjà citée, est opérationnelle. La Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière, les multiples commissions de passation des marchés ont toutes une mission essentielle au service de cette cause nationale. Les délinquants en col blanc n'ont qu'à bien se tenir. C'est la diarrhée économique. Yeah, on a travaillé, souffert, on a souffert. Les discours, les promesses n'ont rien changé. Pitié aux pensées à nous. Dans son édition du 28 juillet 2006, le journaliste Soulé Onoyolo du journal Le Messager écrit « Pour le petit peuple et les tueurs référaires du régime, une fois encore, Paul Biya aura prouvé aux yeux du monde que l'ange c'est lui, les démons ce sont les autres, son entourage. » Robespierre a écrit « Le crime égorge l'innocence pour mieux régner et l'innocence se débat de toutes ses forces dans les mains du crime. » Boris Berthold, journaliste politique au quotidien Mutation. Il s'agit en fait d'une stratégie de saupoudrage qui obéit à des calculs politiques. Les choses n'ont donc pas réellement changé. Non, mais vous-même voir, vous allez constater qu'on vole encore beaucoup plus avant 2006. Ah bon?
qu'après 2006 qu'avant 2006. Donc les gens ont compris de manière globale que pour ne pas se faire attraper, il faut simplement servir le président et dire qu'on sert le président. C'est tout. Joseph Marie Elundu est journaliste. Il est également le porte-parole de la société civile camerounaise. Mais là, on est vraiment devant une sorte d'alchimie qui, en fait, ne vise pas à non seulement à assainir l'environnement économique, non seulement à assainir la moralité publique, même sur le plan politique, il n'y a pas de visibilité. Or, en fait, ce qui se trouve que nous sommes face à quelqu'un qui a décidé de conserver les rênes du pouvoir envers et contre tout, et qui est donc prêt à éliminer la moindre adversité qui peut être Elundu, qui peut être Bichoka, qui peut être... C'est-à-dire que si vous devenez aujourd'hui un problème pour le système, peut-être parce que vous dites trop de choses, vous pouvez être éliminé. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, il bâtit son discours autour de la rigueur et de la moralisation. Ça veut dire la lutte contre la corruption. Rigueur dans la gestion, moralisation des comportements. Je crois qu'il est venu au pouvoir avec ce défi-là. Il voulait le relever. Le président Paul Biya est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun, en bien ou en mal. Il faut le savoir. J'ai publié un ouvrage à succès, Stratégie de corruption et de détournement de fonds publics comme logique de coup d'État. Ce livre existe. Ce livre existe. J'attirais à mon tour l'attention du chef de l'État pour lui dire, tel que les Camerounais sont en train de s'enrichir, ce n'est pas seulement pour manger et boire, envoyer les enfants à l'école. Il y a une autre idée derrière cette affaire. Parce que pour faire un coup d'État, pour gagner un coup d'État, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les militaires, c'est l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut utiliser n'importe quel mercenaire et créer l'instabilité dans un pays. Vous n'avez qu'à lire des ouvrages qui ont été commis dans ce sens. Parce que quand on déclenche la lutte contre la corruption, il se fait tard. Toute la société est corrompue. L'administration camerounaise est l'une des administrations les plus corrompues du monde. Je vous parle là en tant que fonctionnaire. Comment vous allez signer un papier si vous ne donnez pas l'argent? Tous les travaux qui ont été faits, la corruption au Cameroun, il y a tout un vocabulaire. Le choco, le gombo, le dessous de table, la bière, ainsi de suite. Il y a tout un vocabulaire. Vous ne pouvez pas. J'ai 16 ans de fonction publique. Avec 4, je travaille à Yaoundé. J'ai 4 avancements. C'est pas automatique. Vous donnez l'argent ou vous ne donnez pas. Regardez la corruption dans les partis politiques. Toutes ces alliances, c'est de la corruption. La corruption politique. Qu'est-ce qui a tué l'opération Épervier Charles Latébéyéné? Non, je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose. Que la corruption était devenue le socle de la société camerounaise. Parce que tout le monde était corrompu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, pour avoir laissé s'installer la corruption de cette manière et à ce niveau, quand on déclenche la lutte, ça devient comme si on vous dit de vider un océan avec une louche. C'est ça le problème. Donc, on n'a pas comme l'impression que ça change. Et maintenant, au niveau des mentalités, parce que la lutte contre la corruption a pour but aussi de dissuader l'aspect dissuasif. Mais est-ce que parce que quelques Camerounais vont en prison, ça limite les détournements? On détourne au jour le jour. Vous voyez un peu? Donc l'aspect pédagogique de la lutte contre la corruption de l'opère et de l'opération Épervier, c'est presque raté. Puisque, vous lisez la presse au Cameroun,
On continue à dire tel ministre a pris tel nombre de milliards, tel projet, les milliards se sont perdus, etc., etc. Donc, pour moi, ça n'a rien apporté. Et du coup, la société, nous tournons en rond. Mais ce matin, on vous a annoncé à la radio que l'émergence n'est plus en 2035, c'est déjà en 2036. Parce qu'on ne respecte pas les canons. Il n'y a pas encore l'esprit. Charles Atebayene, comment doit-on sortir de là? Peut-on sortir de la corruption avec le régime Biya au pouvoir? Vous me posez une question délicate. Je pense que c'est la volonté. On peut sortir de la corruption avec le régime Biya à condition de ne pas manipuler l'opération, à condition de ne pas que ce ne soit pas des frappes à tête chercheuse, à condition qu'on respecte les lois et qu'on sanctionne et surtout qu'on sensibilise. C'est très important. C'est-à-dire on sensibilise, on sanctionne sans haine, mais avec fermeté. En 2013, Paul Biya, 81 ans, il est en fin de règne et se cherche un successeur. Les uns les autres se battent pour la succession. Tout ceci va réjaillir sur l'opération Épervier avec des règlements de comptes. Question d'éliminer quelques adversaires redoutables. Cabral Libi est un jeune leader d'opinion camerounais. Mais écoutez, on ne peut pas arrêter les uns et laisser les autres. Vous ne pouvez pas avoir deux individus qui ont commis des forfaits de même nature. Vous condamnez l'un, vous laissez l'autre. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans l'affaire, pour parler de l'affaire Mara Faïf Michel Fotso, que quelqu'un comme le monsieur qui vient d'être nommé Meva Mobutu, secrétaire général du Sénat, qu'est-ce que justifie que lui soit encore en liberté et qu'il soit même promu au secrétariat général du Sénat? Et non seulement ça, il y a certains dossiers qu'on tarde à ouvrir au prétexte que ces personnes qui seraient incriminées seraient plus ou moins proches du président de la République. Bon, nous voulons bien comprendre qu'il y a une stratégie progressive dans cette affaire, mais en réalité, grosso modo, nous restons sur notre faim, même si nous sommes conscients qu'en réalité, s'il faut ouvrir aujourd'hui tous les dossiers de corruption, il y a très peu de Camerounais qui resteraient dehors, y compris le président de la République lui-même. Things we don't talk about, better do without, and just hold the smile. Falling in and out of love, ashamed and proud of, together all the while. Some things we don't talk about, better do without, just hold the smile. Les arrestations vont se multiplier sans qu'on ne comprenne trop pourquoi. Et l'opération Épervier lui-même va prendre un coup avec la question de corruption des magistrats par l'exécutif. Dès 2010, le journal L'Œil du Sahel rapporte que le chef de l'État avait mis 300 millions de francs CFA à la disposition du ministre de la Justice Amadou Ali, le magistrat Gilbert Schlick, Ntsoga Émile Zéphirin, Pascal Manyangamabe, juge d'instruction, Bargangele Martin, délégué général à la Sûreté nationale, Maurice Kamto, ministre délégué chargé de la justice, sont parmi les bénéficiaires selon ce journal. Bernard Ndjonga, leader de la société civile, président de l'ACDIC. Nous émettons de forts doutes sur l'efficacité de la lutte qui est menée à l'heure actuelle à travers l'opération contre la corruption. Pourquoi? Alors, imaginez-vous, nous avons eu en 2010 à mener une enquête sur les faits de détournement des financements affectés au programme Maïs. Cette enquête a eu une contre-enquête menée par la CONAC. Et dans sa contre-enquête, la CONAC a non seulement confirmé notre enquête, mais est allé jusqu'à nommer les responsables administratifs au nombre de 47 qui devraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Jusqu'à l'heure où je vous parle, cette poursuite n'a jamais eu lieu. Mettez-vous à notre place. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire de cette lutte? Est-ce qu'il y a une volonté réelle de cette lutte? Véritable nébuleuse dont on a déjà montré qu'elle était pilotée à partir de la présidence de la République, l'opération Épervier lève un pan de voile sur comment elle était financée, qui payait, qui gérait et quels étaient les bénéficiaires. Le vice-premier ministre, ancien ministre de la Justice, est celui qui apporte la lumière dans une correspondance datée du 15 mars 2011, dont L'Œil du Sahel a obtenu copie. Amadou Ali fait à l'attention du président de la République l'état de l'utilisation des fonds mis à la disposition. Fin de citation au sujet de l'opération Épervier.
Voici ce que Amadou Ali écrit en introduction de sa missive. Ouvrez les guillemets. Le chef de l'État a bien voulu mettre à ma disposition la somme de 300 millions de francs CFA en appui à la lutte contre la corruption, le détournement de deniers publics et le blanchiment d'argent. Fin de citation. Une vraie révélation compte tenu de l'écran de fumée longtemps entretenu autour de l'existence d'un fonds. Une vraie révélation compte tenu de l'écran de fumée longtemps entretenu autour de l'existence d'un fonds pour traquer des proies potentielles de l'épervier. À quoi devait servir cet argent? Le ministère de la Justice étant bénéficiaire d'un budget programmé. L'opinion se pose des questions, mais les choses s'enchaînent. Emmanuel Gérard Ondondon, interpellé à l'Omnisport à son domicile à Fandena. Joseph Edou, directeur du Crédit Foncier, interpellé au quartier Bastos. Gilles Roger Bellinga, directeur général de la SIC, la Société Immobilière du Cameroun, interpellé au camp SIC Hippodrome. Ils ont été conduits dans les services du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Fondi et incarcérés. Ce sont là les premières victimes de l'opération Épervier. En décembre 2007, un nouveau dossier sera ouvert avec l'arrestation à Yaoundé de M. Alphonse Siamsiwe, ancien directeur général du port autonome de Douala, qui sera déchargé quelques instants avant de ses fonctions de ministre de l'eau et de l'énergie. Dans le sillage de ses ex-directeurs généraux, plusieurs employés des entreprises concernées et des prestataires identifiés comme acteurs ou complices de ces malversations sont interpellés à travers la République et transférés à Yaoundé où ils sont également écroués. L'année d'après, précisément en mars 2008, c'est lui qui, de sa posture de ministre de l'économie et des finances, avait mené le Cameroun à l'atteinte du point d'achèvement 2 ans auparavant, est aussi incarcéré dans le même sillage. Polycarp Abaaba est suivi par Urbain Olangena Awono, déchu de son poste de ministre de la Santé publique quelque temps avant. S'en suivent au fil des jours des arrestations spectaculaires, parfois avec des relents de vengeance et de règlement de compte. La CIRTV est autorisée à filmer et à diffuser les images des deux hommes dans leurs cellules, à savoir Urbain Olangena Awono et Polycarp Abaaba, couchés sur des matelas, même le sol. Le peuple qui venait d'applaudir se braque, le verre se brise. Le peuple si versatile commence à s'interroger, prenant le parti des prévenus. On se pose des questions, jusqu'à celle finalement fatale. Que nous rapporte finalement l'opération Épervier? Les fonds sont-ils restitués dans les caisses de l'État? La corruption est toujours bien installée, constate-t-on. L'argent ne revient pas, mais des arrestations se multiplient. On entend alors les premiers bruits de procès politiques liés à une nébuleuse dénommée G11. Entendez Génération 2011 de cela qui persuadait que Paul Biya ne se représentera pas à l'élection présidentielle après 2011, veulent le remplacer. Une ambition légitime, mais bien dangereuse dans ce contexte camerounais. Oh, comme Le 2 août 2008, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République et ancien ministre d'État en charge des relations extérieures, M. Jean-Marie Atanamebara, a été arrêté à Yaoundé par la police suite à l'enquête sur l'affaire Albatros du nom d'un avion destiné au déplacement du président de la République. En juillet 2009, l'opération Épervier se mobilise à nouveau.
Etame Massoma, ministre chargé du contrôle supérieur de l'État, demande l'arrestation d'Ambassazan. L'ex-ministre des Travaux publics et député RDPC de la Mefou et Afamba est au centre d'une procédure judiciaire controversée initiée par le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Son immunité est levée à l'Assemblée nationale, mais le ministre Ambassazan ne sera jamais interpellé car prétextant un traitement en exil, il se réfugie au Canada jusqu'à ce jour. Dans une émission radiophonique, il donnera toutefois sa version des faits sur ce qui lui est reproché. J'ai trouvé des systèmes. Ça veut dire que les ingénieurs ont constitué au sein du ministère des Travaux publics des espèces de bureaux d'études. Ça veut dire que les opérateurs économiques venaient les voir. Et vous savez, c'est dangereux parce que c'est les mêmes qui font, parce que un appel d'offres, c'est des critères de technique, d'évaluation et autres. Donc, ils orientaient les critères à la base. Ensuite, on les retrouvait dans la commission, certains dans la commission de passation de marché ou dans les sous-commissions d'analyse. Donc, je me suis battu contre les méthodes qui avaient cours aux travaux publics. Et j'ai reçu pour cela des lettres de félicitations, des témoignages de satisfaction d'un certain nombre d'organisations internationales qui luttent contre la corruption dans le monde. Ce que vous appelez accusation malveillante, on ne va pas rentrer vraiment dans tous les détails, tellement c'est compliqué, mais parlons-en un tout petit peu. Oui. Disons que, c'est quoi? Le Conseil supérieur de l'État vous reproche, hein, on va synthétiser ça, après audit de votre gestion au ministère des Travaux publics, d'avoir occasionné un préjudice financier hein, d'environ 8 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que je suis bon là ou pas? Mais vous n'êtes pas très très bon parce que je voudrais dire que le contrôle supérieur de l'État a mené deux missions. D'abord une mission d'enquête spécialement axée sur les travaux de réhabilitation du pont du Vouri, puis une mission d'audit, ce qui fait donc que les montants sont, on doit dire, une dizaine de milliards de francs CFA. Je n'en étais pas loin. Oui, vous n'êtes pas loin. Mais le montant que vous indiquez, les 8 milliards, je dirais oui, dans la mesure où l'audit a ciblé les préjudices à 8 milliards de francs CFA, rien que pour le seul pont du Vouri. Et je voudrais d'ailleurs me féliciter de ce que vous parliez de vous parlez de préjudices. Parce que lorsque, dans l'entendement des Camerounais, et surtout que c'est le terme qui a été utilisé, on a utilisé le terme de détournement, c'est comme si j'ai procédé à la distraction des fonds quelque part, alors que on aurait bien pu dire que c'est effectivement un préjudice. Et vous voyez tout de suite les conséquences de cette situation. Parce que si on parle de préjudice, ça veut dire que d'emblée, c'est le Conseil de discipline budgétaire et financière qui est compétent, qui a la compétence rationnée matérielle. Mais lorsqu'on dit détournement, ça veut dire que c'est les tribunaux qui sont compétents. Donc voilà à peu près, donc je dirais sur le pont du Vouri, c'est à peu près 8 milliards de francs CFA, comme vous l'avez souligné. D'accord. Expliquez-nous bien cette histoire-là. Alors, parce qu'on parle, c'est un peu compliqué, voyez-vous, pour le commun des Camerounais, cette histoire. Alors, on dit que vous auriez, il y a une histoire de gré à gré, quelque part avec une entreprise, que vous justifiez. Alors là, vraiment, je reprends vos termes et d'après mes lectures dans la presse, mais je reprends les termes utilisés dans l'interview que vous avez accordé à Cameroun Infonet. Vous justifiez le gré à gré avec l'entreprise par la double motivation, alors je vous cite, de ne pas perdre le financement AFD de 7,7 milliards de francs CFA, puisque la convention était pratiquement arrivée à son terme d'une part, et d'autre part pour éviter une catastrophe dans la mesure où le pont pouvait s'effondrer à tout moment. Est-ce que vous pouvez être, je dirais, plus clair, plus simple un peu pour que les gens comprennent exactement de quoi on parle dans cette affaire-là?
Alors, je vais être je vais tenter d'être plus clair, parce que comme vous le dites, c'est des questions extrêmement technique, et c'est ce qui a pu... Même s'il y a des gens très techniques, excusez-moi Monsieur Ambassa, même s'il y a des gens très techniques, aussi techniques que vous qui nous écoutent, hein, donc allons-y quand même. Oui, alors je disais que je voulais d'abord dire que, être d'accord avec vous que c'est des questions techniques, et lorsqu'on n'a pas bien compris, on arrive effectivement à des conclusions comme celles auxquels les vérificateurs sont parvenus. Alors, j'explique simplement. Lorsque je suis nommé au ministère des Travaux publics, le 24 août 2002, je trouve qu'il y a l'appel d'offres est déjà lancé. Et comme cela se passe, il y a une commission de passation de marché, ce n'est pas moi qui la mets en place, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, parce que on l'appelle la commission de passation de marché des travaux neufs. Donc, qui reçoit les offres et elle met en place une sous-commission d'analyse. Et cette sous-commission d'analyse procède à l'analyse des offres techniques. Et comme je dis, il y avait ce qu'on appelle la préqualification. La préqualification, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a examiné les offres techniques, vous devez vous situer à un certain nombre de points, par exemple 75 points. Si vous êtes en dessous, vous êtes éliminé. Pour être préqualifié, il faut avoir. Donc, ce sont les entreprises préqualifiées, donc, après l'analyse des offres techniques, qui voient leurs offres financières ouvertes en seconde étape. Donc, ce travail d'analyse technique, des offres techniques et financières, a été fait par la Commission. Alors, je dois dire tout simplement que ce n'est pas Ambassazan, alors ministre, qui a décidé de passer au niveau du gré à gré. Le gré à gré fait partie des propositions qui ont été faites par la commission de passation de marché. La commission de passation de marché est composée de membres statutaires, et en plus des membres statutaires, et compte tenu de l'importance particulière de ce marché, ont pris part à cette commission de passation de marché le représentant de l'Agence française de développement et un représentant de l'entreprise cette autoroute, cette internationale, c'est le bureau d'études, qui est devenu aujourd'hui Aegis Route, et qui jouait donc le rôle de maître d'œuvre et qui était lié à l'État du Cameroun bien avant que j'arrive. C'était donc Dieudonné Ambassazan, ancien ministre des Travaux publics, en exil, ou si vous voulez, en cavale. Comme vous venez de le suivre, le livre que je viens de commettre, qui a pour titre La protection de la fortune publique au Cameroun, s'inscrit dans la collection Doctrine juridique africaine et mariage dans les éditions de Kilimanjaro. Il s'agit d'une production intellectuelle qui s'est imposée la discipline et la démarche scientifique. Il s'agit de partir du constat qu'au Cameroun, le dispositif de protection de la fortune publique est fondé sur la constitution de l'État. Il est en cohérence avec l'ordre constitutionnel. L'option de la Constitution ayant été de partir au Cameroun. En août 2009, arrestation de Jean-Baptiste Nguiniefa, directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP. Il est accusé de détournement de fonds publics à outrance. Le 6 janvier 2010, Aman Adama, ancienne ministre de l'éducation de base, limogé le 30 juin 2009, et Roger Ntongo Nguene, 51 ans, directeur général des aéroports du Cameroun ADC, de 2013 à juin 2009, ont été interpellés et écroués à Yaoundé avec une dizaine de leurs collaborateurs. Le 8 janvier, c'est au tour d'Henri Ngolo, ancien ministre du budget, et de Catherine Abena, aujourd'hui décédée, paix à son âme, ancienne secrétaire d'État aux enseignements secondaires.
qu'on ne s'attende pas à ce que nous nous arrêtions en chemin. Nous irons jusqu'au bout, quoi qu'en disent certains, avait prévenu Paul Biya dans son discours télévisé de fin d'année 2009. Et la démocratie, c'est aussi la préservation de la fortune publique. C'est pourquoi nous avons entrepris de lutter sans merci contre la corruption. Qu'on ne s'attende pas à ce que nous nous arrêtions en chemin. Nous irons jusqu'au bout, quoi qu'en disent certains. Nous irons jusqu'au bout, quoi qu'en disent certains. Entre-temps, l'opération Épervier va prendre un peu de congé. La bourrasque s'est brusquement arrêtée, le show médiatique s'est essoufflé, l'oiseau a refermé ses ailes et l'Épervier est entré, non pas sous terre, mais se terre encore quelque part, prêt à s'abattre à nouveau sur des proies. La République a transpiré, certains se sont émus, d'autres ont pleuré et la presse a commenté, déversant sur l'opinion son lot de mots, d'analyses, de commentaires. Les éditorialistes sont fendus de leurs plus belles plumes pour décrier l'inanité, le caractère excessif, la soif de pouvoir d'un président qui s'isole de plus en plus. L'opération Épervier a fini par devenir un symbole de la manière de gouverner d'un homme qui commença la présidence presque comme un accident le 6 novembre 1982. Maître Nouga, avocat au barreau du Cameroun. On a remarqué que l'opération Épervier, du point de vue social, n'a pas suffisamment utilisé la dimension enseignement, la dimension pédagogique. Elle n'a pas utilisé suffisamment les aspects, si vous voulez, prévisionnels de la répression de la corruption. Donc, la corruption... La répression de la corruption a été envoyée devant les journaux sans les éléments judiciaires nécessaires à une telle opération. Qu'est-ce que j'entends par éléments judiciaires? C'est-à-dire des preuves formelles, le respect des procédures, un respect rigoureux des procédures et surtout une indépendance des juges qui laissent les juges travailler en leur âme et conscience. On n'a pas préalablement mis en place un tel système. De façon que les gens ont été arrêtés quelquefois sans aucune preuve, quelquefois sans aucune raison. Et avec le temps, avec l'examen des faits qui leur étaient reprochés, on s'est bien rendu compte que la plupart de ces gens étaient arrêtés sur la base de la surfacturation des faits, c'est-à-dire on a surfait les faits, et sur la base d'excès. On déclarait que les gens ont détourné des centaines de milliards, là où la justice voyait des poursuites pour quelques dizaines de millions. Et tout ça a ôté toute crédibilité à l'action de la justice. Et ensuite, on a également observé une attitude frileuse des magistrats qui donnait l'impression d'être aux ordres, qui donnait l'impression de devoir condamner. On a vu des juges d'instruction instruire exclusivement à charge. On a vu une certaine partialité dans le déclenchement des poursuites. Certaines personnes étaient dénoncées mais restaient libres. Certaines personnes avaient même des preuves de leur détournement dans les médias, mais elles étaient libres, elles n'étaient pas poursuivies. Alors que d'autres, dont les preuves étaient à peine soupçonnées, qui étaient très discutables, qui étaient poursuivis et condamnés. Et puis brusquement, boum, le 16 avril 2012... Nous sommes là alors en 2012, septembre 2012, et ce sont là les derniers développements de cette campagne d'assainissement baptisée Opération Épervier, qui laisse de plus en plus pantoise plus d'une personne. Emmanuel Gérard Rondondon, Nathaniel Edouard Etondé-Kodo, Urbain Olangena Onon ne dispose d'aucun compte en Occident,
commence-t-on à révéler, ni de biens immobiliers à l'étranger. Qui l'eût cru? Pourtant, c'est le résultat de 2 années d'investigation financière internationale menée par le célèbre avocat français Jacques Vergès. Avec cette autre chape de plomb, l'opération Épervier prend à nouveau un coup et provoque même l'ire du président de la République, un homme réputé impassible aux grandes frayeurs. Et comme il fallait s'y attendre, des questions fusent de partout, chacun y allant de son analyse et de son commentaire. L'opération Épervier est retournée dans tous les sens. Le choix des proies, son timing et ses méthodes font l'objet de nombreuses critiques. Des incompréhensions sont relevées ici et là. Incompréhensions résultant de la complexité même de la dite opération. Car l'opinion nationale se bute face à un mur de silence qui ne lui permet pas toujours de comprendre comment fonctionne cette campagne de lutte anticorruption. Qui dirige réellement l'opération Épervier? Qui décide des arrestations? Qui fait à qui des propositions de personnes à arrêter? Quel est le rôle des uns et des autres dans cet exercice? L'on pourrait même un instant se demander si on n'a pas induit quelque part le chef de l'État en erreur en l'opposant à certains de ses vrais fidèles. Des sources proches de la gestion de l'opération Épervier indiquent que bien des dossiers tronqués auraient été portés à la connaissance du chef de l'État. Paul Biya, prenant en ce moment connaissance de quelques vérités, aurait demandé à ses proches collaborateurs de voir dans quelle mesure et dans quelles conditions certaines personnes pouvaient être libérées. Seulement sur le plan politique, une telle initiative serait de nature à mettre en péril le bien fondé de l'opération Épervier. Pourtant, il faut le faire. Il faut que des innocentes soient remises en liberté. C'est ainsi que va voir le jour le tribunal criminel spécial. Mais nous y reviendrons. Pourtant, dans le principe, la traque des délinquants économiques initiée par le chef de l'État est une mesure opportune visant à assainir la gestion des finances publiques. Dans la pratique, les personnes qui accompagnent Paul Biya dans cette noble mission donnent l'impression que c'est une opération non seulement mal préparée, mais lancée sur des bases erronées, au point qu'on assimile désormais l'opération Épervier à un conglomérat de règlements de comptes. Des spéculations de plus en plus persistantes vont dans le sens d'une manipulation à des fins inavouées par différents acteurs. Les instances chargées de mener la lutte anticorruption ne s'accordent pas les violons. Chacun utilise la parcelle de pouvoir à lui accorder par le chef de l'État pour tirer des ficelles pour son propre compte. Au final, les arrestations et les procès n'obéissent plus à quelque logique que ce soit. Illustration. L'affaire fait toujours des vagues dans l'establishment. Selon un confrère de la Nouvelle Expression, un journal sur la place camerounaise, Emmanuel Edou, délégué général à la Sûreté nationale, aurait pris par divers lui la lourde responsabilité de signer une interdiction de sortie du territoire national à 3 autres personnalités sans en informer les autres responsables. Une initiative qui aurait créé un véritable tollé au sein du Sérail. Amadou Ali, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, à cette époque, garde des Sceaux, très embarrassé par la tournure que peut prendre cette affaire du fait de ses relations jugées pas du tout cordiales avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de ce moment-là, aurait demandé à son collègue de la police de lever cette interdiction. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Laurent Esso, à l'époque, lui non plus n'aurait pas manqué de manifester son étonnement. Le président de la République, informé de l'affaire par le directeur du cabinet civil, lui-même saisi par le délégué général à la Sûreté nationale, paniqué par les réactions venant de gauche à droite, aurait vertement dansé Emmanuel Edou et Amadou Ali. Et l'interdiction de sortie de ces 3 barons sera levée quelques jours seulement après. Mais aux dernières nouvelles, instruction ferme aurait été donnée aux différentes unités de police de veiller à ce que Yves-Michel Fosso, ancien directeur général de la CAMER, et Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général de la présidente de la République, et Thomas Ephrem Inouni, ne sortent pas du territoire national sans autorisation expresse du président de la République. Ils doivent être à la disposition du juge d'instruction Pascal Manyanga Mabe dans le cadre des enquêtes liées à l'affaire Albatros. We'll be right back.
Jeudi 8 janvier 2009, l'ancien administrateur provisoire de l'ex-Camer, Paul Ngamo Amani, défère à une convocation du sous-directeur des enquêtes économiques de la police judiciaire. On lui annonce que les éléments de son déférement sont prêts et il doit être traduit devant le procureur à Douala, ville dont les tribunaux sont compétents pour l'affaire Camer. Autour de 18h, accompagné d'une demi-douzaine de policiers, il arrive au bâtiment qui héberge les services du procureur général près la cour d'appel de littoral du littoral. Mais le suspect ne sera pas entendu par le procureur général. Bien plus, ce dernier soutient que des éléments ne sont pas suffisants pour traduire l'homme devant un juge. Toujours sous escorte policière, l'ex-administrateur de la Camer rentre à Yaoundé le même soir. À l'entrée de la ville, il s'entendra dire de ses gardes policiers que la hiérarchie a donné l'ordre qu'il soit gardé à vue. C'est vers 23h45 que le bon de garde à vue est signé à son encontre. Deux jours après, il est relaxé par le procureur de la République de Yaoundé. Conclusion, la police arrête n'importe comment, n'importe qui et n'importe quand. La justice relaxe. C'est la cabale. Comme un fratricide entre pontes d'un régime, d'un même régime, les arrestations opérées dans le cadre de l'opération Épervier prennent parfois des allures d'une vendetta. Paul Ngamo Amani, après plusieurs va-et-vient entre Douala et Yaoundé, sera finalement placé en détention préventive à la prison centrale de Nioubel à Douala en mars de la même année. Il est inculpé pour le détournement de la somme astronomique de près de 127 milliards de francs CFA, excusez du peu. Dans cette affaire, les inspecteurs du contrôle supérieur de l'État se contredisent à tous les coups. Mais tout se passe comme s'il fallait à tout prix maintenir le monsieur derrière les barreaux. Autre curiosité, Paulin Abomo Mwampam. Il est arrêté le 13 mars 2007 au petit matin et est conduit à la direction de la police judiciaire où il passera plusieurs nuits sans bon de garde à vue. Le procureur Ntamar Fiss, et qui a pourtant procédé à l'arrestation, s'étant rétracté, le délégué général à la sûreté nationale de l'époque, Edgar Alain Mebengo, va aussi se retirer de l'affaire puisque n'ayant pas reçu le blanc-seing de la présidence de la République afin de procéder à la mise aux arrêts de l'ancien secrétaire d'État aux travaux publics. Conduit par la suite à Yokadouma, une ville à quelques centaines de kilomètres de Yaoundé, il va passer d'autres nuits sur le banc de la véranda du palais de justice de la Bumba Ngoko, le procureur refusant de signer le mandat de dépôt. Mais la versatilité des Camerounais est fonction de la versatilité de l'opération. L'enthousiasme initial s'est émoussé précisément parce que les Camerounais ont vu les difficultés auxquelles l'opération faisait face dans sa conduite, comment on passait beaucoup de temps avant précisément de lancer les procédures judiciaires proprement dites, la phase de jugement des personnalités qui étaient prévenues. On a vu, ou ensuite gardé en détention préventive, on a vu également tous les problèmes et toute l'hétérogénéité des procédures qui ont été mobilisées dans tel ou tel dossier. Et tout cela n'a pas contribué à renforcer la confiance vis-à-vis de l'opération Épervier. Peut-on dire qu'il y a eu des arrestations purement politiques dans cette opération? Je ne sais pas s'il y a eu des arrestations purement politiques, mais quand on voit les mises en scène des arrestations d'un certain nombre de barons du système gouvernant qui ont occupé de hautes fonctions gouvernementales et administratives, cette mise en scène avait des éléments trop politisés pour qu'il ne s'agisse pas d'un processus politique. Last but not least, Gervais Mendoza et Jean-Baptiste Nguiniefa, respectivement ancien directeur général de la CRTV, la Cameroun Radio and Television, et de la SCDP, la Société de dépôt pétrolier, sont passés devant le contrôle supérieur de l'État et mis en débat de la même période ou presque, pour des raisons non encore élucidées. L'ancien patron de la SCDP sera arrêté quelque temps après, alors que l'ancien directeur général de la CRTV restera libre. Pourtant, les sommes imputées à l'ancien directeur général de la CRTV sont trois fois supérieures à celles réclamées à Jean-Baptiste Nguiniefa. Le
Le philosophe taoïste Confucius nous avait prévenu. Celui qui cherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes. Luka Marafa Amidou Yaya dans l'opération Épervier. Le 16 avril 2012, Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général à la présidence de la République et ancien ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, et Ephrem Inouni, ancien premier ministre, sont interpellés et placés directement sous mandat de dépôt. Madame Jeannette Marafa nous raconte l'histoire. C'était le 14 avril que mon mari a reçu deux convocations, une à la police judiciaire. Où étiez-vous ? J'étais au Cameroun. Une à la police judiciaire et l'autre à la au commissariat à la même heure, le 16 à midi. Nous avions prévu de partir en France en vacances. Monsieur Marafa avait demandé des vacances au président de la République. Le secrétaire général de la République, de la présidence de la République, nous a donné l'accord. Et Marafa, toujours procédurier, a demandé au secrétaire général de lui faire un ordre écrit. C'est ça. Pour tout ordre écrit, nous avons reçu ces convocations-là. Moi, je suis une grande malade depuis quelques années et j'ai des enfants en bas âge, dont de mon fils qui est mineur. Et c'était le début aussi des vacances de Pâques, il fallait que je vienne en France. Donc j'ai pris l'avion ce soir-là pour venir en France et je suis arrivée le 15 au matin et le 16 à midi, on a arrêté Monsieur Marafa. Accusé de détournement de fonds publics, sans aucune preuve, Marafa Amidou Yaya sera condamné à 25 ans de prison. C'est le seul prisonnier de l'opération Épervier à avoir manifesté son désir de succéder au président Paul Biya, le seul de tout le régime Biya d'ailleurs. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Deux anciens hauts responsables interpellés et placés en détention préventive à la prison centrale de Kondengi. Il s'agit de Ephrem Inouni, ancien premier ministre, et Marafa Amidou Yaya, ancien ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. Chetabilé était à la prison centrale de Kondengi. L'ancien premier ministre Inouni Ephrem et l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya sont sous mandat de dépôt à la prison de Kondengi, Yaoundé. Lorsque cette nouvelle se répand en fin de matinée comme une onde particulièrement rapide, beaucoup la prennent pour une simple rumeur. Parmi les premiers, vos serviteurs de la CRTV Radio se précipitent aux portes du pénitencier désigné par le téléphone arabe. Il n'y a devant cet établissement carcéral, après 13 heures, quasiment pas un étranger au service. Le seul élément se rapprochant de la thèse colportée par la rumeur est la présence d'un pick-up double cabine gris que les reporters ont coutume de voir transporter les personnalités impliquées dans des affaires judiciaire. L'on apprendra de sources de première qualité que c'est ce véhicule qui a conduit l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya à Kondengi. Alors que les reporters recoupent des informations sur ce premier cas, sous nos yeux arrive un cortège à grande vitesse. En milieu de file, un car blanc, parmi les hommes en armes, l'ancien premier ministre Inouni Ephrem qui descend. Une épaisse mallette à la main, il est immédiatement escorté à l'intérieur de la prison. La mallette de M. Inouni Ephrem, apprendrons-nous plus tard, contenait un dossier qu'il comptait présenter ce matin même au juge en charge de son affaire. En effet, lorsque l'ancien ministre quitte Limbé pour Yaoundé, il pensait ne déférer qu'à une convocation ordinaire du juge. La même chose pour l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya, qui, selon ses avocats, se préparait même à réclamer le changement du juge en charge de son dossier. Mais au bout de 45 minutes au parquet, les deux personnalités déchantaient l'une après l'autre, se voyant placées sous mandat de dépôt, accusées de malversation financière dans le cadre de l'achat d'un aéronef présidentiel. Jeannette Marafa, alors je rappelle, vous êtes donc l'épouse de l'ancien ministre camerounais de l'Intérieur, Amidou Yaya Marafa, je le disais, arrêté. En avril 2012, condamné à 25 ans de prison pour complicité intellectuelle de détournement de fonds publics dans une affaire relative à l'achat d'un avion présidentiel. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation, complicité intellectuelle de détournement de fonds publics? Je ne suis pas juriste, mais par contre, on m'a bien expliqué que... C'est son motif d'accusation. Oui, ce motif-là... Le chef d'accusation, en tout cas. Oui, ce chef d'accusation n'existe pas. Ah oui. Dans le droit pénal camerounais. Pénal camerounais. Et même français. Et même français. Cependant, j'ai cru comprendre que cela
vient du fait que l'un des accusés était considéré comme un ami de mon mari. Mmh. Et tout. Le juge, d'ailleurs, quand il a rendu son verdict, mmh. a bien spécifié qu'on n'a rien trouvé pouvant prouver la participation de mon mari dans cette affaire de détournement. Et sa culpabilité. En fait. Voilà, sa culpabilité. Mmh. Et donc, cependant, comme il connaissait M. Fotso depuis 1991, alors il est aussi coupable. Alors donc vous contestez forcément cette accusation, n'est-ce pas? L'accusation est contestée, mais elle n'est pas contestée que par nous. Mmh. Elle est contestée aussi parce que tout s'est passé aux États-Unis. La commande de l'avion, mmh. l'achat de l'avion, la livraison de l'avion, les problèmes qu'il y a eu après cette première livraison avec la remise des clés à la présidence de la République, le procès qu'il y a eu après, ensuite, après le procès, on a indemnisé le Cameroun à hauteur d'un avion et de l'argent. Le Cameroun a été représenté par ses avocats, dont Maître Akérémouna et c'est des collègues à lui. Et dans toute cette affaire, Monsieur Marafa Hamidou Yaya n'a jamais été concerné. Didier Ngo est le fils de Pierre-Désiré Ngo, libéré récemment. Il a créé un mouvement pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Joël Didier Ngo, d'après le comité de libération des prisonniers politiques du Cameroun, donc l'association que vous venez de créer, dont vous êtes le porte-parole, la seule faute de Monsieur Marafa, l'épouse de madame, serait d'avoir été décrit dans un câble diplomatique américain révélé par WikiLeaks comme la personne, je cite, la plus compétente pour prendre la relève de Paul Biya. Est-ce que vous confirmez cela ou c'est juste une rumeur? On le confirme plus que jamais parce que si on introduisait un peu d'humour dans ce débat qui est d'une gravité effectivement reconnaissable, on dirait WikiLeaks a tué Marafa. Parce que c'est à partir du câble opérateur WikiLeaks et les révélations faites par l'ambassadrice des États-Unis à son administration d'origine, disant simplement que Marafa était parmi la pléthore des successeurs possibles de Paul Biya, celui qui était le plus compétent, le plus intègre et surtout qui avait la densité nécessaire pour porter un projet de transition et de rénovation du Cameroun. Oui. C'est ça qui a tué Marafa, pour faire simple. Fait que dès qu'il y a, je dirais, un successeur possible... Parce que souvent, on pose cette question. Est-ce qu'il y a des successeurs possibles dans le magma camerounais où on a l'impression, comme dit Paul Biya, c'est l'inertie chronique. Il y a quand même des hommes comme Marafa, qui est du Nord en plus, musulman, que quelqu'un comme moi qui vient du Sud, avec toute une gouvernance tribale, j'ai l'honnêteté intellectuelle de dire que Marafa, dans ce magma-là, est celui qui tient la route. Marafa Hamidou Yaya révélera l'un des pans de voile méconnus de l'opération Hypervie, à savoir la corruption du juge d'instruction, Pascal Manyangamabe, qui l'accuse. Dans sa première lettre adressée au président de la République depuis sa cellule de prison, Marafa Hamidou Yaya écrit « Monsieur le président de la République, le lundi 16 avril 2012, j'ai été convoqué par le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Fundi et écroué à la prison centrale de Yaoundé à Koundengi. Sans aucune forme de procès. Vous avez certainement dû apprendre que j'ai demandé la récusation de ce juge d'instruction qui était venu me voir de son propre chef et qui, avec insistance, m'a sollicité pour que nous nous arrangions, entre guillemets, afin qu'il instruise le dossier dans un sens qui me sera favorable. J'ai tout naturellement refusé sa proposition. Je vous en avais rendu compte en son temps, pensant que le président du Conseil supérieur de la magistrature que vous étiez s'en serait ému. » Fin de citation. C'est Marafa Hamidou Yaya qui écrit ceci dans sa première lettre adressée au président de la République en avril 2012. Au cours d'un procès marathon, l'État du Cameroun charge le ministre d'État Marafa Hamidou Yaya. On accuse Marafa d'avoir détourné de l'argent destiné à l'acquisition d'un avion présidentiel destiné au déplacement du chef de l'État, du président de la République. L'homme était le chef de projet et c'est lui qui ordonnait les dépenses.
Mais au cours des débats devant le tribunal de Yaoundé, le ministre des Finances de l'époque, Michel Meva Mebutu, proche de la famille présidentielle, se révélera être pourtant la personnalité clé de cette affaire. En tant que ministre des Finances, il aurait dû avoir le quitus du secrétaire général de la présidence de la République et chef de projet pour virer l'argent destiné à l'acquisition de cet avion. Mais au cours des débats, on lui posera la question de savoir qui vous a donné l'ordre de virer cet argent et il répondra « Je ne répondrai pas à cette question ». Ça veut dire qu'il n'avait reçu aucune instruction du ministre d'État Marafa Hamidou Yaya et qu'il avait décidé soit de son propre chef, soit au nom du clan. Ainsi donc, tout au long de ce procès, aucune preuve ne sera apportée de ce que le ministre d'État Marafa Hamidou Yaya aurait détourné un seul franc destiné à l'acquisition de cet avion. Il sera quand même condamné à 25 ans de prison ferme et la motivation du juge serait qu'il a participé intellectuellement, complicité intellectuelle des détournements du fonds public, du jamais vu dans l'histoire de la justice mondiale. Générique du journal au poste national de la CRTV durant les 32 ans de règne du président Paul Biya, un hymne stalinien. En 2008, la presse faisait le bilan de l'opération Épervier. On parlait alors de 183 milliards détournés par 10 directeurs généraux. Jean-Baptiste Nkiniefa, ex-directeur de la SCDP, 57 ans, plus de 900 millions de francs CFA imputés. Emmanuel Gérard Ondondon, ex-directeur général du FECOM, 66 ans, 66 ans d'âge, 11 milliards de francs CFA imputés. Gilles Roger Bellinga, ancien directeur de la Société immobilière du Cameroun, SIC, 58 ans d'âge, 4 milliards et demi de francs CFA imputés. Pierre-Désiré Engo, ex-directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, âgé de 71 ans, 92 millions de francs CFA imputés. Joseph Edou, ex-directeur général du Crédit foncier du Cameroun, 60 ans d'âge, 9 milliards de francs CFA imputés. Yves-Michel Fautso, ex-directeur général de la CAMER, 52 ans d'âge, 14 millions de dollars imputés. Paul Ngamo Amani, ex-administrateur général de la CAMER, 60 ans d'âge, 118 milliards de francs CFA imputés. Roger Ntongo Ongene, ex-directeur général des aéroports du Cameroun, ADC, 53 ans d'âge, 2 milliards de francs CFA imputés. Zakaïus Fornjindam, ex-directeur général du chantier naval du Cameroun, 60 ans d'âge, 969 millions de francs CFA imputés.
Alphonse Siam Siwe, directeur général du port autonome de Douala. 62 ans d'âge, 12 milliards de francs CFA imputés. Parlons à présent du cas urbain Olangena au nord. De 14 milliards de francs CFA, on est arrivé à 700 millions de francs CFA imputés. C'est une arrestation spectaculaire que les Camerounais ont vécue le 31 mars 2008, retransmise en Mondovision et en direct par les médias nationaux. Très tôt dans la matinée, Urbain Olangena Wono, ministre de la Santé de 2001 à 2007, est interpellé à son domicile au quartier Emana. L'opération conduite par le groupement spécial des opérations de la police se déroule sans usage d'armes. L'homme se montre d'ailleurs très disponible. Les films de son arrestation et de son transfert à la police judiciaire ainsi que de sa détention à la prison centrale de Yaoundé à Koundengi sont servis aux Camerounais en grandeur nature. Cette médiatisation atteint le paroxysme de l'humiliation lorsque les caméras de la télévision nationale vont filmer et diffuser la couchette de l'ancien ministre dans les cellules de la direction de la police judiciaire en même le sol. L'opinion va alors parler d'un règlement de compte. D'un règlement de compte imputé au délégué général à la sûreté nationale de l'époque, Edgar Alain Mebengo, très ambitieux. Très ambitieux et surtout pressé de se débarrasser d'encombrants concurrents du même village. Selon l'acte d'accusation, Urbain Olangena Wono et 14 autres de ses collaborateurs, de ses anciens collaborateurs, sont poursuivis pour détournement de deniers publics, tentative de détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics. L'affaire est très peu portée à l'exécution sur l'exécution du budget du département ministériel qu'il dirigeait, mais plutôt sur la gestion des fonds alloués, à la lutte contre le sida, le paludisme et même la tuberculose. Le montant des sommes détournées s'élève à 14,8 milliards de francs CFA dès l'ouverture de l'information judiciaire. Le 1er octobre 2009, en rendant son ordonnance de clôture de l'information judiciaire, le juge d'instruction David Donhou abandonnera les poursuites contre 7 des co-accusés, 7 des 14 accusés. Les sommes détournées s'élèvent désormais à 700 millions de francs CFA, dont 414 sont imputés à Urbain Olangena Wono. Le premier coup de tonnerre. Le second va tomber quelques jours après cette ordonnance lorsque, de façon inattendue, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme va apporter son soutien à l'ex-ministre à travers un communiqué signé de Michel Kazatskine, son directeur exécutif. L'organisation déclare à sa connaissance, l'enquête des autorités camerounaises portant sur l'utilisation de l'argent du Fonds mondial ne se justifie pas. Le budget, les programmes et les rapports sur les subventions du Fonds mondial au Cameroun indiquent que l'argent a été géré de manière appropriée et, à ce jour, le Fonds mondial n'a vu aucune preuve suggérant que ces fonds ont été mal utilisés. Fin de citation. Mais l'État du Cameroun va poursuivre l'instruction judiciaire. Le président Paul Biya pourra-t-il être perçu comme celui qui a finalement lutter contre la corruption ou commencer à lutter contre la corruption? Tant qu'il n'a pas appliqué l'article 66, on ne peut pas penser qu'il sera celui qui aura véritablement fait avancer la lutte contre la corruption. Ce qui a marché, c'est que quand même, on a pu, dans un certain nombre de dossiers, interpeller, puis juger des personnalités qui ont occupé de hautes fonctions gouvernementales et administratives, pour un ensemble d'infractions qu'on leur reprochait. Ce qui indique que des gestionnaires publics peuvent être interpellés au sujet de leur gestion. Et si on constate que cette gestion est répréhensible, s'il y a eu commission d'un certain nombre d'infractions, notamment en matière de corruption et des infractions assimilées, comme l'indique la Convention des Nations Unies contre la corruption de Mérida que le Cameroun a signée puis ratifiée, alors, on mettrait en place donc les mesures judiciaires de répression qui sont nécessaires. Cela dit, il faudrait, si on veut que cette action soit crédible, la construire de telle manière qu'on n'ait pas l'impression que les cibles sont savamment sélectionnées, qu'elles sont choisies à dessein et pour des raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance.
Kaka Edouard Retondé Koto. Une retraite pas du tout paisible. Aujourd'hui âgé de 73 ans, diplômé de Saint-Cyr, de Saumur à l'école de guerre de Paris, le colonel Edouard Nathanel Ekpondé Ekoto passe sa retraite entre l'hôpital et la prison centrale de Niobel à Douala et la cour d'appel du littoral. Il a été condamné à 15 ans d'emprisonnement ferme en appel le 11 juin 2009 au lieu des 10 ans requis en instance dans l'affaire qui l'oppose au ministère public et au port autonome de Douala, où il était président du conseil d'administration. Il lui était reproché le détournement d'une somme de 900 millions de francs CFA. Il sera blanchi 7 ans plus tard et mis en liberté sans que rien ne soit expliqué au public, à l'opinion publique. Dès son lancement en 2006, la campagne de lutte contre les détournements de fonds publics dans mon pays, le Cameroun, baptisé par la presse locale Opération Épervier, a suscité d'énormes espoirs. L'on a cru alors que le soleil se levait sur le ciel de la gouvernance dans un Cameroun qui a plusieurs fois figuré dans le peloton de tête des pays les plus corrompus du monde, selon Transparency International. L'on a cru que, hanté par le risque de se retrouver dans les geôles de la prison de Yaoundé, la prison de Kondengui à Yaoundé, ou de celle de Niobel à Douala, les gouvernants camerounais prendraient conscience de l'avantage qu'il y a à entretenir des relations plus saines avec des deniers publics. Que non. Sans accorder la moindre prime aux atteintes à la fortune publique, l'on est tout de même tenté de souligner qu'au regard de nombreuses violations des droits humains et du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que de l'amateurisme qui caractérise la conduite de cette opération dite main propre, il convient simplement d'y mettre fin car l'opération s'est décrédibilisée. Ceci pour plusieurs raisons qui ôtent toute crédibilité et toute sincérité à cette campagne. D'abord, première raison, l'ordre d'interpeller telle personnalité ou telle autre vient, dans la plupart des cas, de la présidence de la République. Deux, les personnalités arrêtées à leur domicile devant femmes et enfants sont souvent escortées comme des vulgaires bandits par des unités spéciales de la police armées jusqu'aux dents et humiliées devant les caméras de télévision pour des besoins de règlement de compte. 3. Les rapports du contrôle supérieur de l'État, qui servent de prétexte à la mise aux arrêts de certains ministres et autres directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, sont souvent bâclés et cousus de fil blanc. Des chiffres qui y figurent sont grossis avant de fondre comme neige sous le soleil à l'issue de l'instruction judiciaire. 4. L'autorité de la chose jugée est foulée aux pieds. Urbain Olangena Ono a été condamné à 15 ans de prison pour des faits qui ont pourtant été annulés par la Cour suprême, la plus haute juridiction du Cameroun. 5. L'opération Épervier dans son côté obscur prive inutilement le Cameroun de certains de ses meilleurs cadres d'administration, pas toujours coupables. 6. Les dossiers d'accusation sont souvent inconsistants quand ils ne sont pas simplement vides. L'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Amidou Yaya, n'a-t-il pas été condamné que pour coaction, uniquement pour coaction intellectuelle des détournements de fonds publics? Autrement dit, que c'est son amitié avec l'homme d'affaires Yves-Michel Fosso, accusé d'avoir monté des sociétés écrans pour dilapider l'argent destiné à l'achat de l'avion présidentiel qui a fini par le perdre. 7. Des proches parents du président camerounais Paul Biya sont exempts de poursuites judiciaires, même lorsque leur implication dans le dossier de l'opération Épervier sont avérées. C'est le cas de Michel Meva Mobutu, oncle de Paul Biya lui-même, dans l'affaire de l'avion présidentiel suscité. 8. Les prisonniers de l'opération Épervier sont devenus ou incarcérés dans de mauvaises conditions, leurs cellules n'étant VIP que de nom. Mais là, c'est un détail. La justice, c'est la justice pour tout le monde. Fort de ce qui précède, et en guise de conclusion,
Il y a quatre possibilités. Soit les victimes de l'opération Épervier sont coupables, alors c'est la justice camerounaise qui est incapable de démontrer leur culpabilité. Soit elles sont victimes d'acharnement politico-judiciaire. Soit elles sont des parfaites innocentes. Soit les vrais prédateurs et vautours de la fortune publique au Cameroun ne sont pas forcément ceux qui croupissent dans nos univers carcéraux. Le 13 août 2014, l'opération Épervier va exposer son vrai visage avec l'arrestation d'un ministre en fonction. C'est le comble. Louis Bapès, ministre des enseignements secondaires, est interpellé par le tribunal criminel spécial et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Et 24 heures plus tard, il est libéré sous ordre du président de la République. Une véritable cacophonie qui n'échappe pas à Jeune Afrique. Dans son édition de la semaine du 14 avril 2014 sur RFI, le journal de Béchir Ben Yamed accuse. François Soudan est devant le micro. Est-ce que vous racontez l'incarcération suivie d'une remise en liberté à peine 24 heures plus tard du ministre de l'enseignement secondaire du Cameroun? Alors que s'est-il passé? Comment a-t-il pu être interpellé puis relâché aussitôt et pour quelle raison? Alors s'il s'appelle effectivement Louis Bapès ce ministre, c'est vrai que ça fait 8 ans hein, que ça dure avec des hauts et des bas cette opération Épervier décidée par Paul Biya et le régime n'en finit plus de dévorer ses propres enfants. Elle semble reprendre effectivement, elle se demande où est-ce qu'elle va s'arrêter avec le cas de ce ministre qui a passé une nuit en prison, qui a été libéré et qui d'ailleurs a été placé en détention sans avoir été démis de ses fonctions, ce qui est quand même une première et qui fait un peu désordre. Cela dit, ça ajoute au climat et à l'ambiance un petit peu, comment dirais-je, délétère de paranoïa qui règne actuellement à Yaoundé. Vous savez que tout le monde attend un remaniement gouvernemental, tous les ministres ont peur de sauter parce que très souvent, pour les membres du gouvernement, le limogeage, c'est le début de la descente aux enfers. Des ministres sont obligés de démentir au téléphone et dire que non, je ne suis pas arrêté, je suis bien au bureau. Vous savez qu'il y a 11 directeurs généraux en prison, 7 ministres, dont un premier ministre. L'atmosphère est difficilement respirable en ce moment. On peut parler d'opérations d'intimidation? Et c'est, disons, pour l'instant, c'est une opération main propre qui continue avec intervention directe de la présidente. Je crois que nous publions ici une note qui date certes de 2009, mais qui est intéressante, du secrétaire général de la présidence de l'époque, l'actuel ministre de la Justice, Laurent Esseau, autorisant le ministre de la Justice à faire déférer un certain nombre de prévenus et précisant « J'ai l'honneur de vous notifier l'accord du chef de l'État à vos propositions tendant à faire déférer les personnes dont les noms suivent au parquet du tribunal de grande instance de Mfoundi ». Donc c'est assez clair. Vous évoquez également une liste qui vous est parvenue ici à Jeune Afrique. Quel nom contient-elle? Écoutez, c'est très difficile, on ne peut pas jeter comme ça de nom en pâture à l'opinion publique. C'est effectivement cette liste qui circule là-bas à Yaoundé, ajoute incontestablement à l'atmosphère qui est, je dirais, pour le moins délétère. François Soudan, merci. Voilà, tout cela est donc à lire dans Jeune Afrique. Cette semaine, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire était avec Norbert Navarro. La corruption est bien là et même dans la famille présidentielle. L'affaire Franc Biya sera un autre épisode de cette opération Épervier. Épisode jamais élucidé. Le système tout entier englué dans la corruption et Franc Biya, l'office du président, l'office du chef de l'État, lui aussi n'échappe pas. En 2012, l'affaire des titres de Camtel, la Cameroun Telecommunication, explose. L'office du président est accusé d'avoir détourné 100 milliards de francs CFA à travers des titres frauduleux.
Mais écoutez, Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Franck Biya est dans le monde des affaires. Il exploite le... Mais écoutez, avant d'être une cabale, posons-nous la question de savoir est-ce que c'est... les faits sont avérés. Avant de conclure que c'est une cabale, est-ce que les faits sont avérés? Ça, c'est important. Maintenant, il faut savoir que on a engagé la grande phase de la transition au Cameroun. Même si les gens ne veulent pas entendre ça, même si officiellement on ne le dit pas, mais tous les actes, toutes les paroles, toutes les batailles d'aujourd'hui sont des batailles pour mettre à mal le régime de Paul Biya qui a déjà mis 30 ans et que beaucoup de gens ne veulent plus. Je pense que le président a intérêt à faire ce travail parce que tôt ou tard, Franck devra répondre devant des tribunaux de cette affaire et de bien d'autres que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Ça dit que c'est comme l'opération l'antibiogramme aujourd'hui, c'est comme l'opération d'épuration aujourd'hui. Notre société a commencé la phase des purges. Et dans la phase des purges, rien n'est caché. Dans la phase des purges, il faut permettre que les uns et les autres qui ont peur d'aller en prison, qui ont peur d'être attaqués, dévoilent tout. C'est le grand déballage. Et je crois que l'élite du dialogue, hein, dont beaucoup de ces élites ont géré la fortune publique, pas toujours avec bonheur, craint aujourd'hui que comme l'opération Épervier est en train d'atteindre la vitesse de croisière, soit attaquée. Et donc, on ressort le dossier du fils du président comme pour paralyser, comme pour bloquer, en disant, arrête aussi ton fils. Tu veux nous arrêter, tu as arrêté les fils des autres, etc. Maintenant, voici une affaire qui concerne ton fils. C'est une affaire qui peut être exploitée dans le sens de fragiliser le président, de fragiliser l'État. Charles Atébéyene, vous êtes membre du comité central du RDPC, mais vous savez que nous sommes entrés dans une phase de purge, comme vous le dites vous-même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avant d'engager un tel débat, le tribunal criminel spécial, à votre avis, ne devrait pas s'autosaisir d'une telle affaire déjà? Mais écoutez, le Cameroun, c'est bien sûr une démocratie, mais il y a des choses, des risques que beaucoup de gens ne prennent pas encore. Vous connaissez quel magistrat au Cameroun qui va se saisir d'une affaire qui concerne le fils du président qui est au pouvoir et qui va parler de cette affaire? Non, tout le monde va jouer au naïf, tout le monde va faire le dos rond en attendant que soit la politique enfle. Tout est parti de la titrisation de la dette du Cameroun, évaluée selon un audit rendu public en 2004 à plus de 1400 milliards de francs CFA. L'État était débiteur, non seulement des agents publics pour des salaires impayés, mais aussi de ses fournisseurs et des entreprises publiques, dont la Cameroun Telecommunication, Camtel en abrégé. Cette dernière lui réclamait alors plus de 80 milliards de francs CFA. Selon un accord signé en 2005, l'État s'engageait par conséquent à payer selon un échéancier précis. 24 milliards de francs CFA par versement mensuel et 200 millions de francs en 105 mensualités jusqu'en 2015. Le solde, 56,7 milliards de francs CFA, devait faire l'objet de titres négociables. Ainsi sont nées des obligations à coupon zéro. En paiement de la dette de la Camtel, 56 000 titres d'une valeur faciale de 1 million de francs CFA chacun sont émis, dont la maturité était prévue entre 2011 à 2017. Franck Biya, qui en a profité, ne sera jamais inquiété. Il ne répondra même jamais de cette accusation. Il ne se justifiera jamais. L'épisode est passé. Vous vous rendez compte aujourd'hui que l'élite du Sud, notamment l'élite du département du président Paul Biya, le Dialobo, qui a eu une grande mainmise dans l'affaire, en tout cas dans la gestion des affaires du pays et surtout dans l'affaire, la gestion des finances. Vous avez l'élite Boulou, hein, a géré les finances pendant 12 ans à Gamofumu, Mva Mobutu et Polycarpe Ababa. Et vous entendez, c'est une affaire de titres. Donc il concerne l'argent et puis l'office du président, etc. Certains parlent déjà de délits d'initié. On peut penser que comme c'était une affaire de famille, une affaire... Donc, dans tous les cas, moi je propose que le président Biya prenne ses responsabilités et que il fasse tout et pour tout pour que cette affaire soit tirée au clair, qu'on sache qui a fait quoi, de quoi s'agit-il.
eh bien, ce n'est que comme cela qu'il pourra sauver son fils. Ce n'est que comme cela qu'il pourra sauver lui-même. L'économiste français Olivier Vallée est consultant en Afrique depuis 20 ans. Il travaille notamment pour l'OFMI, le Fonds monétaire international. En 2010, il publie un livre, La police morale de l'anticorruption chez Cartala. La lutte anticorruption n'est-elle pas souvent un leurre pour satisfaire les bailleurs de fonds, s'interrogeait-il. Mieux, dans certains pays africains, n'est-ce pas un moyen de conserver le pouvoir ? S'interroge-t-il encore? Il est interrogé sur Radio France Internationale. Olivier Vallée, bonjour. Bonjour. Alors vous vous appuyez sur deux pays, le Nigeria et le Cameroun, et vous montrez que les régimes en place ne sont pas affaiblis par la lutte anticorruption et qu'au contraire ils s'en accommodent très bien. Oui, je crois que cette police morale de l'anticorruption s'insère avec un tabou, c'est qu'on ne touche pas au cœur du pouvoir, parce que c'est la présidence de la République qui garantit à ces institutions financières internationales qu'elles seront remboursées un jour, etc. Au Cameroun, vous vous attardez sur l'opération Épervier, cette opération main propre qui a jeté en prison plusieurs dizaines de présumés corrompus depuis 2006, et vous posez la question, est-ce que le président Biya ne prend pas le risque de dépeupler le palais des Tundi? Oui, effectivement, l'opération Épervier ressemble aussi à une opération d'épuration au sein des élites camerounaises. Donc il y a bel et bien dans cette opération Épervier à la fois la disparition d'un certain nombre de potentiels concurrents politiques, mais aussi d'alliés politiques. Est-ce que c'est un risque que prend le président camerounais? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une tactique de pouvoir qui le replace d'une certaine façon comme ce que j'appelle le magistrat suprême de la société camerounaise, c'est-à-dire pas simplement un arbitre politique, mais un décideur du bien et du mal dans son pays. Alors depuis 13 ans, par exemple, l'ancien secrétaire général de la présidence camerounaise, Titus Edzoa, est en prison, officiellement pour malversation financière, mais peut-être en réalité parce qu'il voulait se présenter contre Paul Biya. Est-ce que la lutte anticorruption n'est pas devenue un mode de gouvernement pour se débarrasser de ses adversaires politiques? Je pense que l'élimination des adversaires politiques n'a pas attendu la venue de la police morale de l'anticorruption. Par contre, ce que permet la police morale de l'anticorruption, c'est aujourd'hui de légitimer les victimes de concurrents ou la dénonciation d'opposants. Et de ce côté-là, effectivement, la police morale enrichit la palette de contrôle du pouvoir d'un certain nombre de régimes sur le continent africain. Mais il faut peut-être pas aller trop loin. Tout est question de dosage. Ce que vous dites, c'est que pour préserver son pacte avec les divers groupes sociaux, le pouvoir camerounais doit admettre des pauses dans la surveillance financière et des trous dans le tissu de la gouvernance. Oui, la gestion de l'anticorruption par les pouvoirs nigériens, par les pouvoirs camerounais, mais également dans d'autres pays du continent, s'exerce avec des concessions à des opérateurs ou à des ministres qui sont corrompus, de la même façon que l'on tolère aussi une petite corruption dans un certain nombre de secteurs, voire ce que certains appellent la désobéissance civile et la désobéissance fiscale, qui sont aussi assimilables à des fraudes, parce que cette règle d'une chasse à la corruption, d'une lutte contre la corruption qui serait universelle et totale, serait véritablement, à mon avis, oui, la fin d'un compromis sur lequel on vit peut-être depuis les indépendances. Donc en fait, transparence ne veut pas dire alternance. Bien entendu. Alors vous montrez bien comment les pouvoirs africains font de la lutte anticorruption un outil de propagande à usage interne et externe, mais en même temps, vous reconnaissez que les opinions publiques ne sont pas dupes, d'autant qu'à chaque carrefour de Yaoundé ou de Douala ou de Lagos, on risque d'être racketté par un policier. Je crois que l'anticorruption fonctionne. Vous avez cité l'opération Épervier. Il y a un certain nombre de réformes qui sont intervenues au Nigeria en termes de libéralisation économique et financière, des réformes plus sectorielles au Cameroun, mais qui sont pas négligeables, réforme de la douane, réforme du système portuaire à Douala, mais tout cela, pour l'opinion publique dont vous parlez, se déroule dans l'invisible.
et la perception de la corruption s'amplifie avec tous les effets de rumeurs en plus. Ce que vous appelez la corruption de guichet. Oui, tout à fait, la corruption de guichet nourrit un imaginaire fantasmatique extrêmement riche, de la même façon qu'il y a des voleurs de guichet que l'on accuse de corrompre l'État tout entier, il y a les fameux voleurs de sexe que l'on accuse de vous déposséder de votre virilité. Et donc, je veux dire, la série de mesures législatives, réglementaires, cours des comptes, jugements, etc., ont beau envoyer énormément de prévenus dans les prisons camerounaises ou faire comparaître devant la commission anticorruption des gouverneurs nigérians ou des banquiers, ça demeure finalement d'une certaine façon sans impact par rapport à cette vision un petit peu hallucinée. Et dans les classements de Transparency International, le Nigeria comme le Cameroun reste dans la catégorie des cancres. Alors à quoi bon toute cette lutte anticorruption ? La lutte contre la corruption est surtout devenue un moyen de montrer pour les gouvernants qu'ils font des efforts. Comme dans une classe où il y a des mauvais élèves, on juge non pas les résultats scolaires, mais les efforts, et en particulier le bon comportement ou la bonne conduite. Et donc on s'achète de cette façon des éléments de bonne conduite, et ce sont des arguments qui portent. Olivier Vallée, merci. Ainsi donc, et au final, impitoyable et droit dans ses bottes, Paul Biya poursuit sa lutte contre la corruption et le pillage de la fortune publique. Dans son discours du 31 décembre 2009, il déclare « Nous irons jusqu'au bout ». La démocratie, c'est aussi la préservation de la fortune publique. C'est pourquoi nous avons entrepris de lutter sans merci contre la corruption. Qu'on ne s'attende pas à ce que nous nous arrêtions en chemin. Nous irons jusqu'au bout, quoi qu'en disent certains. Nous irons jusqu'au bout. Quoi qu'en disent certains. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens et de leur sort. Dans l'édition du journal Le Jour, édition du 18 avril 2012, le journaliste et éditorialiste Aman Mana produit une chronique mémorable. On peut y lire « Paul Biya n'est jamais allé aussi loin dans la célébration punitive de ses anciens collaborateurs. Dans l'histoire politique des États modernes, il n'y a que le stalinisme qui a fait pire dans la mise en disgrâce et la purge de ses anciens dignitaires. En décidant l'emprisonnement brutal de son ancien premier ministre Inoni Ephraim et de son ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Marafa Amidou Yaya, le monarque de Vomeka vient de sceller dans le ciment du cynisme et du reniement de soi la disqualification historique et définitive dont on hésitait encore à accabler le biaïsme après 30 ans d'approximation, d'errance idéologique, de tricherie électorale et de règne de l'indigence axiologique. Le renouveau national voudrait alors se dérober à la redoutable efficacité de l'histoire qui le jugera de manière impitoyable pour tenter de se reconstruire une légitimité longtemps perdue sur les débris des arrestations spectaculaires de ses propres dignitaires. D'hier, au milieu d'un concert de récriminations et de doutes, car le peuple qui voulait du sang hier demande désormais plus simplement du pain. On a pris la véritable mesure du redoutable et redondant mauvais gymkhana entre le palais de justice et la prison de Kondengi à Yaoundé, et cela n'amuse plus que des simples d'esprit, écrit Aman Mana. En choisissant l'arme de la machine politico-judiciaire pour broyer de très hautes personnalités de la République, dont pas moins de 3 secrétaires généraux de la présidence de la République et désormais un ancien premier ministre, le président Paul Biya fait le réquisitoire de son propre règne. Comment a-t-il pu se tromper autant dans le choix de ses proches collaborateurs qui font aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires et d'incarcération? Comment des hauts commis de l'État, jadis auréolés de tous les pouvoirs et de tous les honneurs, ont-ils fait pour en arriver à une telle déchéance politico-morale?
terrain et respectés hier, ils sont désormais traités comme des misérables voleurs de poules, de vulgaires bandits, qui nous rappellent les risibles équipés de Dalton dans notre littérature de jeunesse. Tant de ministres, de directeurs généraux, de secrétaires généraux et autres responsables du Cameroun en prison ne peuvent dédouaner Paul Biya d'avoir lui-même constitué une classe politico-administrative si infertile en idées, si pauvre en patriotisme et surtout si peu respectueuse de la fortune publique. Que l'opération Épervier soit aujourd'hui une opération de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics, ou alors une vaste entreprise d'élimination politique de valeureux prétendants à la magistrature suprême, le dénominateur commun reste la déliquescence d'un régime pris dans ses propres contradictions et qui se refuse à assumer la purulence de ses plaies et tente de se réfugier derrière un violent cannibalisme où il est contraint de se nourrir du sang de ses propres enfants dans ses derniers spasmes convulsifs. Si dans l'opération Épervier nous fait la grâce de ne perdre de temps demain pour juger un régime qui le fait déjà lui-même, il restera toujours pour nous comme le miroir symbolique de l'homme Paul Biya, lancé dans une entreprise désespérée de reconquête de sens. La voracité frénétique avec laquelle sa redoutable machine répressive politico-juridique disloque, désarticule et déconstruit les destins et les corps de ces hommes et de ces femmes vient dire à suffisance la faillite d'un système qui ne survit plus que dans la délectation éphémère que lui offrent les humiliations de ceux qu'il adoubait encore hier. L'État cannibale se repaît sous la férule de son prophète pris dans le tourbillon de la faim, mais broyant ses victimes dans une giclée de sang pour apaiser sa déception et fuir la sentence qu'il attend lui-même. Voilà un maître qui balance tous ses élèves sans la moindre émotion, ni le moindre ressenti. Sans scier ni vaciller. Après avoir constitué une classe dirigeante et une génération d'hommes et de femmes insensibles au terrible destin de leurs concitoyens, l'homme du 6 novembre 1982, Paul Biya, voudrait s'en débarrasser pour constituer à lui tout seul le commencement et la fin de son régime qu'il rêve propre et irréprochable, comme s'il fût le seul innocent au milieu de 19 millions de coupables. Le mauvais film, les mauvais films du cinéma de Hong Kong de notre jeunesse nous montraient bien qu'après la chute des phalanges, puis du bras droit de la triade, finissait tout de même par tomber celui que nous appelions le chef bandit. L'opération Épervier de Paul Biya se poursuit. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où ira-t-il? 81 ans, 32 ans de pouvoir. Jusqu'où ira-t-il? Sismondi Barlève, Bidjoka. Thank you.
Sassou. Oui, c'est un beau nom. Oh,